Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, bah voilà, donc les cours vont se passer devant l'écran maintenant, en espérant que ça ne dure pas trop longtemps. Voilà, on va commencer, on va revoir deux petites choses hein, qu'on a fait avant les vacances. Good Night Ladies et Jumping Hurt. Alors pour ceux qui le maîtrisent déjà, hein, j'en connais, hein, qui savent déjà jouer par exemple Good Night Ladies. Justement leur montrer une petite chose aujourd'hui pour au niveau de la main gauche surtout, on appelle ça des accords, hein, à apprendre à enrichir un petit peu la main gauche. Alors on y va, on va reprendre Good Night Ladies. Alors Good Night Ladies, pour info, ça faisait quelque chose comme ça. Alors certains l'ont joué en faisant do et sol avec la main gauche, hein, puis d'autres, bah, ils ont bien respecté la partition, ils faisaient do et le sol en bas. Alors déjà, on va positionner sa main gauche sur le do numéro 1, 2 et 3. On va mettre un deuxième doigt. Le sol, on va le chercher juste en dessous, hein. Do, ré, mi, fa, sol. Voilà. Alors je vais jouer une première fois le morceau avec la main gauche en faisant juste des basses. Mi, ré. Donc bien faire attention à voir la main, hein, la balle de tennis. Vous vous rappelez la balle de tennis, hein? Les doigts bien arrondis comme ceci, hein? Évitez d'avoir les mains comme ceci. Voilà, on a les mains comme ceci. Légèrement arrondies. Alors ça, c'est la première chose à voir, hein, la main droite, hein? Donc la main droite, normalement, vous la connaissez, vous l'avez déjà beaucoup chantée. On peut essayer de faire un petit exercice aussi, c'est jouer la main gauche comme ceci, puis on chante la main droite. Mi, ré, do, ré, mi, ré, 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 mi, ré, do, ré, mi, ré, ré, mi, ré, do. Voilà, ça c'est une petite technique, hein, pour essayer de mettre les deux. Hein, autrement, on peut faire en alignant les notes. Entre la clé de sol, hein, la clé de sol, vous vous rappelez de la clé de sol, et la clé de fa. La clé de fa qu'on n'a pas vraiment vue encore. Hein. On a commencé un petit peu à voir ça, mais vraiment tout doucement. Alors maintenant, on va parler d'une chose pour les plus motivés, ceux qui ont envie d'aller plus loin sur le morceau, c'est les accords. On va en voir de l'accord de C, sol, do, mi, et l'accord de G, sol, si, ré. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que quand je faisais la note Do avant dans Good Night Ladies, ben je vais la remplacer par l'accord de C. Quand je faisais la note Sol tout à l'heure avec la main gauche, je vais faire la note G. L'accord de G, pardon. Alors, il va falloir qu'on décale un petit peu les mains, hein. On va partir un petit peu plus sur la droite. C'est-à-dire que notre accord, il sera placé autour du Do numéro 1, 2, 3 et 4. La main droite au mi numéro 1, 2, 3, 4 et 5. On va décaler la main, hein, les deux mains, pour pouvoir jouer. Ce sera plus joli. Allez, j'y vais. Ré, do, ré, mi, mi, mi. Quand je vais faire le ré, je vais faire le G. Ré, ré, ré. Quand je refais le mi, je fais le C. Mi, mi, mi. Je reprends en deuxième ligne. Mi. Ré, do, ré, voilà, donc ça c'est des révisions hein, sur le morceau Good Night Ladies. Certains n'ont pas encore peut-être réussi à le jouer avec les deux mains, c'est l'occasion. Et en plus, et puis pour ceux qui savaient déjà le jouer, ben, j'ai rajouté autre chose, j'ai fait des accords, hein, des accords C et G. Alors on va continuer maintenant, on va faire un petit exercice. Un petit exercice qu'on a déjà fait qui s'appelle Jumping Hurt. Normalement, vous avez le fichier. Joint à la vidéo, vous aurez un backing track. On appelle ça, c'est une petite musique hein, pour s'entraîner à jouer en rythme.
Alors, pour rappel, ça faisait comme ceci. Pour info, ça faisait comme ceci. Ça faisait chute. Do, ré, mi, chute. Fa, do, fa, mi. 3, 4, chute. Do, ré, ré. Après, on faisait chute. Fa, mi, ré, do. Voilà. Donc, le but du jeu maintenant, ça va être de le jouer à la petite séquence musicale. Alors que je vais lancer comme ceci. La remets parce que je suis mal parti, hein, donc j'y vais. 1, 2, 3, 4, chute. Décidément, je parle mal. 3, 4, chute. Do, ré, mi, chute. Fa, do, fa, mi. 2, 3, 4, chute. Chute, fa, mi, ré, do. 3, 4, chute. Do, ré, mi, fa, fa. Chute, fa, do, fa, mi. 2, 3, 4, chute. Do, ré, mi, ré, ré. Chute, fa, mi. Voilà les enfants, donc joint la vidéo, vous aurez la petite séquence, le petit backing track qui ira avec. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi en m'adressant un mail, etc. Donc vous aurez cette vidéo sur YouTube, hein, voilà. Donc que vous pourrez consulter régulièrement. Voilà, je vous dis à bientôt, salut, salut, ciao, ciao.